C'est l'été à Grandchamps-des-Fontaines, le village natal de Sébastien Viau. Il s'apprête à partir autour du monde. Sébastien n'est ni un professionnel de l'environnement, ni un militant écolo, mais un professeur d'EPS en collège. Pourtant, il parle souvent d'environnement avec ses élèves. Leurs questionnements sur l'avenir de la planète ont poussé Sébastien à chercher des réponses. Ayant découvert l'existence du prix Goldman, Sébastien s'est lancé un pari un peu fou. Partir un an, autour du monde, pour rencontrer ceux qui ont reçu ce prix. Il a décidé de partager un peu de la lutte et du quotidien de ses résistants, de récolter leurs expériences. Il veut montrer que chacun, s'il le décide, peut agir pour l'avenir de la planète. Après 3 ans de préparation, Sébastien est enfin prêt. C'est son voyage que vous allez découvrir, son voyage à la rencontre de ces êtres en or. Je filme Sébastien pour la première fois sur le balcon de notre hôtel qui surplombe Kigali. Je suis seul avec lui. Pour ne pas mettre en danger le lien qu'il veut tisser avec les Goldman, il a souhaité qu'une seule personne l'accompagne pour ce film. Pour nous, démarrer l'aventure au Rwanda n'est pas anodin. Vu l'implication de notre pays dans l'histoire du génocide, ce n'est pas rien de venir ici lorsque l'on est français. Bien sûr, le pays change. Les actuels dirigeants mènent une politique de réconciliation nationale qui semble porter ses fruits. La personne que Sébastien vient rencontrer en est la preuve. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour. Heureux de te voir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et toi? Jeanne Rutegarama a reçu le prix Goldman en 2001 pour son action acharnée de sauvegarde des gorilles de montagne. Il nous emmène dans le parc national au nord du pays. Nous entrons dans le massif des Virungas, à la frontière du Congo, de l'Ouganda et du Rwanda. Ce massif transfrontalier est le seul endroit au monde où l'on trouve les gorilles de montagne. Cette forêt ressemble à l'histoire du Rwanda, dense, touffue, remplie de zones d'ombre. Elle ne révèle rien de ce qu'elle a connu. Ainsi, en juin 1994, c'est par cette forêt que les anciens bourreaux fuyaient l'avancée du Front patriotique rwandais. C'est aussi dans cette forêt que les camps de réfugiés se sont accumulés. Il y a 15 ans, on tentait de survivre ici. Qui pouvait bien alors s'intéresser à la vie des gorilles? Eugène est lui-même d'origine Tutsi. Au début des années 90, il a été menacé, emprisonné. Il a pu fuir pendant 4 ans au Burundi, 4 années d'enfer pour son pays. Eugène a perdu dans les massacres une partie de sa famille, mais aussi de ses équipes. Les singes sont placides et indifférents à notre présence, mais pourtant, les rangers s'imposent aux visiteurs un écart de 7 mètres. Le but est moins de nous protéger que de préserver les gorilles des germes et microbes que nos organismes pourraient leur transmettre. Une fois de plus, dans un environnement naturel, le danger vient toujours de l'homme. Dans les années 60, il y avait 475 gorilles. 10 ans plus tard, il n'était plus que 280, en raison du braconnage et de la disparition de leur habitat naturel, dévoré par l'agriculture. Grâce à Eugène et ses équipes, la population de grands singes avoisine maintenant les 400 spécimens. Il y a eu des moments où la sécurité était très très menacée. Oui, et tu pouvais le voir dans les yeux, tu pouvais le voir. Même en faisant une visite, ils n'étaient jamais stables, ils étaient stressés, ainsi de suite. Mais quand tu arrives comme ça, tu les vois en paix, tu te sens que, ok, voilà. Tu te dis que quand même, il y a un travail derrière de sécurisation, de protection, toute une construction de choses qui ont permis à l'espèce de survivre. Mmh. Et c'est normal qu'on ait une certaine fierté du travail accompli. Je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question-là. Finalement, protéger les gorilles, est-ce que c'est pas surprenant? Après être passé à travers un génocide, après être passé dans des moments difficiles. Je ne pense pas que ce soit surprenant. Après cette hécatombe humaine qui s'est passée, qui s'était passée sur le Rwanda, je pense que les Rwandais, y compris moi, avons tous essayé de bâtir ce pays, chacun en ce qu'il pouvait faire. En ce qui concerne ses connaissances. Et protéger cette population, c'est aussi bâtir de nouveau le Rwanda, parce que, d'une part, nous sommes proches, parce que c'est une espèce en voie de disparition, et qu'il y a une partie de la population rwandaise qui était vouée à disparaître. Mais d'autre part, c'est une population qui donne quand même des recettes qui contribuent au développement économique de ce pays. Mais aussi, travailler ensemble, comme je le disais, plusieurs couches de population sans distinction, ça constitue aussi une façon de reconstituer le Rwanda, de reconstituer nous-mêmes, de nous reconstituer comme Rwandais, et pas des parties de Rwandais, mais tous les Rwandais. Aujourd'hui, Eugène est directeur du programme international de protection des gorilles. Il fait travailler ensemble population et gouvernement de la région des Grands Lacs, l'une des zones les plus conflictuelles d'Afrique. L'activité du parc génère des emplois et des revenus qui améliorent la vie des villages environnants. C'est sans doute là la plus grande fierté d'Eugène, avoir fait comprendre aux communautés locales que leur avenir était intimement lié à celui des gorilles. Quand j'ai reçu le prix Goldman, d'abord j'ai pensé que ce n'était pas vraiment un prix pour Eugène Rutegarama. Tout ce que j'avais fait, je l'avais fait avec une équipe derrière moi. Je parlais des guides, je parlais des trackers, je parlais de ces gens avec qui on prenait des risques tous les jours. Et qui, malheureusement, certains ont perdu la vie pendant cette période. Quand je pense à eux, je pense à des victimes d'une cause, hein, mais une cause qui quand même fait du bon chemin, une cause qui n'est pas perdue, une cause qui, je pense, va gagner. Le Honduras, 112 000 km² au cœur de l'Amérique centrale, 7,6 millions d'habitants dont les 3/4 vivent dans la pauvreté. le Honduras est l'un des pays les moins connus du continent américain. Peut-être parce que son président n'est pas la bête noire des États-Unis, peut-être parce que le pays ne possède pas de pétrole, de richesses minières, que son histoire n'est pas baignée dans le sang et la mémoire d'une révolution guévariste. La déforestation est un fléau en Amérique latine. Légale et illégale, elle décime les forêts de nombreux pays, Brésil, Chili, Mexique, Honduras. L'homme que nous venons rencontrer a obtenu le prix Goldman en 2005 pour sa lutte contre la mafia du bois. Il vit dans la province d'Olancho, une terre de misère réputée pour être l'ouest sauvage du pays. Cet homme est prêtre et se nomme Andrés Tamayo Cortez. Le soleil est encore haut lorsque nous débarquons dans le village de Salama. La lenteur, la poussière. Nous avons la sensation de faire un saut dans le temps et d'entrer dans un western. Ici, les femmes ont des ombrelles, les hommes, des chapeaux et des pistolets. Buenas. ¿Qué tal? Bien, ¿y cómo está? Bien, bien. Mucho gusto conocer usted. Bueno, gracias. ¿Cómo fue su día de trabajo? Pues bien. Après avoir fait connaissance, le padre invite Sébastien à rester ici, dans une petite pièce de la cure où il vit chichement, entouré de quelques personnes qui l'aident au quotidien. La cure accueille également les réunions du mouvement environnemental d'Olancho, l'association créée pour encadrer la lutte contre la déforestation. Dans cette petite église de Salama se côtoient la foi, le militantisme, mais aussi les armes. Depuis quelques années, la vie du padré est mise à prix par la mafia du bois. Un contrat de 40 000 $ pèse sur sa tête et depuis 3 ans, le padré vit sous la protection constante de 15 soldats. El que marca el hito es este. Yo viniendo de aldea, de una parte más rural, de una montaña, voy viendo de que un señor lo van a enterrar en una bolsa plástica. Pero en este lugar es muy rico en madera y las empresas sacando madera. Y un ser humano enterrado en una bolsa plástica. No lo soporté más, vi el caso, el hecho, lo llevé a la alcaldía, comencé a gritar las injusticias que están cometiendo. Este es el que marca el hito. Lo que hice fue 2 años crearle la conciencia a la población, pero bajo formación. Usaba la misa para decir el agua, cuál es el valor del agua, madera, cuál es el valor de la madera, cuál es la función del árbol. Entonces iba tomando temas así de concientización en la misa. Quieto, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. ¿Cuáles otros hombres no hay que confiar? ¿Cuáles otros hombres no hay que confiar? Solamente eso, los políticos. Y ahora, pero hay otros, habrán otros. En el 2003, 2004, 2005 fueron las grandes marchas donde de la cabecera departamental íbamos a pie hasta Tegucigalpa. Logramos que el pueblo tomara conciencia y que el pueblo se uniera. A tal punto que nosotros, sin recursos económicos, hicimos llegar más de 40 000 personas a la capital. Entonces, donde fue también un momento donde el gobierno comenzó a pensarlo muy bien y dijo, esto ya no es broma, esto no es de 4 personas, sino que ya es de una población. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ce que signifie la déforestation dans cette province. René, le coordinateur du mouvement environnemental d'Olancho, nous accompagnera. El bosque lo que hace es regular el agua. Cuando viene el agua lluvia, la retienen. El suelo está más protegido. El agua se acumula en el suelo y por eso pues después flota hacia arriba. El árbol nacional de nuestro país es el pino, una gran riqueza natural que poco a poco se está destruyendo por las diversas acciones destructivas que se hacen en nuestro país. Estas áreas forestales no han sido explotadas por nuestra gente, han sido explotadas por extranjeros que han venido a hacer uso de este territorio, todo con la venia o con el permiso que el Estado les ha otorgado. El territorio olanchano se está convirtiendo poco a poco en un territorio donde va quedando pura miseria. Nous partons rencontrer des paysans qui possèdent leurs terres en aval des montagnes où sont concentrées les coupes de bois. Ils vivent dans le village de Rimasqué, 2 heures d'une piste poussiéreuse qui traverse en cahotant le paysage austère d'Olancho. Con estas carestías que han habido estos veranos, nosotros casi no hemos tenido cosechas de maíz ni frijoles. Ha sido una sequedad bárbara que los ha hecho casi sufrir casi hasta hambre. Aquí había agua en todas estas quebradas de aquí arriba. En este tiempo de verano era fresco, la caminada, había pinares, uno caminaba por lo fresco. Ahora no, ahora es pura. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora no? Ah, el corte de madera que ha habido por todo lado y entonces eso ha secado. Nosotros eso está experimentado, que el que donde le corten la madera. Nous repartons vers les montagnes, dans la municipalité de Hano. La coupe où René nous emmène est exploitée par la société Sansone, une société étrangère. C'était il y a peu un site illégal. Il est aujourd'hui sous surveillance et doit se conformer à la nouvelle loi forestière. René doit maintenir le dialogue et veiller au respect de la loi. Malgré tout, nous arrivons clairement en territoire ennemi. Yo lo que digo no lo tiro atrás, yo estoy enfocado en la protección forestal, cultivar el árbol para el bien de mañana. Para el futuro. Para que los hijos de nosotros cosechen eso. Sí, nosotros preparamos. No es peligroso. Ellos saben que hay unos ojos de afuera viendo todo esto. Sí. Entonces no pueden atreverse a hacer cosas que los va a afectar a ellos. O sea, tienen que hacer las cosas bien. Sí. Entonces eso ayuda. No sé, quizás vamos a tener nosotros una copia de esto después y todo eso. Que eso nos sirve a nosotros para difundirlo acá en las comunidades, con la gente y todo eso. Sí. Es muy importante, el trabajo de este es muy bueno. Y por eso nosotros lo recibimos con mucho gusto, ¿no? Qué bueno. Para nosotros. Qué bueno. Il expliquait que c'est les mêmes personnes qui les ont menacés de mort, qui les ont affrontés frontalement avec des machettes, des pistolets. Et certainement, ça vient d'eux aussi que certains des membres de leur mouvement ont été tués. Donc il dit que c'est très difficile aujourd'hui de réussir à réinstaurer un dialogue avec eux et que malgré tout, stratégiquement, c'est le seul moyen d'avancer, mais que c'est extrêmement difficile. Près de 50% des exportations de bois au Honduras sont illégales. L'agence gouvernementale des forêts admet ne pas connaître le volume des coupes annuelles. Mais pour alimenter l'Amérique du Nord et l'Europe en meubles bon marché, 18 millions de dollars de bois s'évadent chaque année du pays. La journée a été longue. Sébastien part se détendre, rencontrer les gens au fil des rues, au fil du soir qui tombe et du temps qui s'étire. Ce matin, levé aux aurores pour une journée particulière. Plusieurs fois par semaine, le padré part en mission dans les villages de paysans. Il va dans les maisons s'entretenir avec les habitants, prier avec eux, leur apporter du réconfort. Buenos días, permiso. Vamos. Para mí es una carga, para mí es un sufrimiento caminar también con los soldados. Pero esto no me quita la libertad. Yo no quiero que protejan al Padre Andrés, yo quiero que protejan al pueblo, que es muy diferente, ¿verdad? Hola, reina. Acérquese. Vaya, véngase aquí. Vaya, más cerquitita, eso. Vaya, véngase usted aquí. Bien, bueno, ya estamos. Vamos, estamos bien, ¿verdad? Eso. Hola. Hola. ¿Qué tal, amigo? Bien, bien. ¿Y qué tal por aquí? Bien. Bien con ustedes. Entonces, yo siempre he dicho, los papás lo que están perdiendo es la autoridad en la fe. En lo demás son autoridad, pero menos en la fe. ¿Verdad? Porque si usted le dice a su hijo, vaya a traerme las vacas, bien que se lo va a traer. Vaya a traerme el caballo, se lo va a traer. Y si no se lo hace, usted se vuelve como estricto. Bendiga, bendiga. Dios la bendiga, Dios la bendiga. Mi esperanza es que un día el pueblo, después de elevar su conciencia, pueda recuperar lo que se ha perdido, pueda ser favorecido, beneficiario del mismo recurso, agua, bosque, suelo, entonces sea beneficiario y pueda vivir dignamente, sea feliz, que no tenga que emigrar a los Estados Unidos a buscar un pan, a buscar humillación, a buscar la muerte. Sé que va a llegar ese momento. Hace falta mucho, pero sí confío. ¿Dónde voy hoy? ¿Sabe que se me hizo amarilla? Ah, usted. Por aquí nos vamos. Allá, va. vamos sacrificando nuestra vida. Padre Santo, bendice esta familia, protege, cuida a nuestros padres que están en los Estados Unidos trabajando. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No tengo miedo, solo sé que un día puede suceder de que me maten. Lo importante es que cumplí con mi deber, cumplí como pastor, cumplí como un hijo del pueblo. No tengo miedo, no me crea insomnio, no me detiene nada. A cualquier parte que voy, no me detiene nada. Nous sommes de retour à Tegucigalpa, la capitale. Avant de partir, j'accompagne Sébastien dans ce qui est devenu son petit rituel de voyage. À chaque étape, il file tester le barbi du coin. Bon, parfois le test est concluant, parfois, comme cette fois, ça l'est moins. Après le continent américain, Sébastien s'envole pour l'Asie, tandis que moi, je rentre à Paris. Au cours de ce vol de 17 heures, Sébastien va vivre une expérience unique. L'avion franchit la fameuse ligne de partage des jours, au-dessus de l'océan Pacifique. Cette nuit-là, Sébastien perd une journée dans sa vie, passant directement du 28 au 30 mars. Peut-être qu'un jour, il aura l'occasion de faire le voyage dans l'autre sens et de récupérer cette journée. En Asie, Sébastien va traverser Palau, un archipel perdu dans le Pacifique. Puis la Thaïlande, la Corée du Sud. Dans chacun de ces pays, de nouveaux Goldman et de nouvelles luttes, de nouvelles rencontres, des victoires, parfois des défaites, mais toujours d'intenses moments partagés. C'est dans un hôtel de Bali, en Indonésie, que je retrouve Sébastien, plusieurs semaines après l'avoir quitté en Amérique. Il me raconte son voyage et ses premières rencontres en Asie. Moi, c'est des gens qui ont complètement reconstruit ma foi dans ce que l'homme est capable de faire pour le bien, par exemple. Quelque chose que j'avais peut-être un peu perdu avant, parce que comme n'importe qui, tu te sens écrasé par l'ampleur de la tâche, tu te sens écrasé, tu te dis mais je suis qui, qu'est-ce que je peux faire quoi, enfin, et puis bah, il suffit juste de partager un peu de leur vie pour te rendre compte que c'est pas la bonne question de te demander si tu peux faire quelque chose. Oui, tu peux faire quelque chose, la question ne doit même pas se poser. La question c'est comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Ces gens-là, ils me donnent du bonheur parce que Ils éveillent ma propre conscience. Et c'est ce que je veux transmettre. Nous arrivons aux Philippines, peut-être l'une des étapes les plus dures de ce voyage. Manille, la capitale, mégalopole de 14 millions d'habitants, le ventre fumant d'une Asie qui galope sur nos traces. Le problème de Manille concerne chacune de nos grandes villes d'Occident. Que faire des déchets que nous produisons ? Dès notre arrivée, moiteur et suffocation, horizon de béton, Manille nous prend à la gorge. Le Goldman philippin s'appelle Von Hernandez. Il travaille depuis des années sur la question de la gestion des déchets. Von a obtenu le prix Goldman en 2003 pour avoir fait des Philippines le premier pays à interdire l'incinération. Mais Von est un homme débordé et Sébastien ne peut pas le rencontrer avant plusieurs jours. Nous irons donc nous-mêmes tenter de prendre la mesure de ce problème de déchets. La plus vieille décharge de Manille s'appelle Smoky Mountain. C'est un symbole aux Philippines. Plus de 60 années d'ordures s'y sont accumulées et mélangées à la terre. Ici, la décharge n'est pas sur la colline, elle est la colline. Notre guide est un ancien West Picker, un ramasseur de déchets. Lito a travaillé et vécu ici. Il a même réussi à apprendre l'anglais dans de vieux livres et magazines qu'il ramassait pendant son travail. When I'm the young age, there is already a dump site here, but not as big as today, that's a small one. Before it was a peaceful village. Mostly some of the people working here in the dam site. Some of them have no choice because some of them no education, no training for another job, because some of the scavengers are coming from the poor provinces. This mountain of trash has a tendency to combust. Some said that it is methane. You think it's dangerous gas? I think so, because some of the people working here got sick on their chest. They have complaining about their chest. Uh-huh. Were there some accidents, explosion because of gas? Just a small explosion. It's not really dangerous. We are not living here from the trash, but by retrieving the recyclable, especially the metals, the tin cans, we are saving and we are helping the economy, our country, and our planet, our environment. Yeah. En triant les ordures, Roméo et Evelyne gagnent 250 pesos par jour, de quoi acheter un peu de poisson ou 2 kilos de riz pour nourrir leur fille. 250 pesos, c'est plus que s'ils travaillaient à l'usine. Il y a plus de 800 décharges à Manille. Leurs déchets font vivre des dizaines de milliers de familles. Détruire leurs ressources et fermer ces décharges pose un problème économique. Les laisser ouvertes pose un problème environnemental. Nous avons enfin obtenu notre entrevue avec Von Hernandez, le temps d'un trajet vers l'aéroport. Depuis son prix Goldman, Von est devenu directeur de Greenpeace Asie du Sud-Est et jongle entre Manille, Bangkok et Jakarta. The Philippines faces a huge waste management and disposal challenge. Many local government or national government, whether they're in France, whether they're in Asia, they are always enamored with a quick fix. You know, when you're confronted with a waste problem, what do you do with the waste? Either you bury it or you burn it. This has always been the traditional quick fix. But we have to move away from this type of approaches because, first of all, we are living in a world of finite resources. We cannot continue destroying resources. Secondly, half of the waste stream here is organic, as it makes sense to burn organic waste rather than bring it back to the earth and maybe cycle it back to nature so that it also helps your agricultural sectors or your renewable energy sectors. Well, incineration transforms the problem from a waste or land pollution problem to a formidable air pollution problem. Burning is a chemical reaction. By burning mixed trash, by burning plastics, glass, and other parts of the waste stream, you are liberating heavy metals like mercury, cadmium, lead, and other poisonous substances. You are creating new super toxic compounds, including the most toxic substance ever produced in a laboratory, the dioxins and the furans. And you're not really getting rid of the problem, because for every 3 tons of waste that you burn, you generate 1 ton of ash, 1 ton of toxic ash, and that still has to go somewhere. The main intervention that is required for a zero-waste approach is really separation, you know, separating the waste into different components. Because if you are able to separate your waste according to this different components, you'll be able to find rational solutions to each component of the waste stream. And in developing countries like the Philippines, for example, more than 50% of the waste stream is organic waste. And if you are able to separate that organic fraction, have a separate collection for the organic fraction, you'd be able to solve half of the problem already. With this residual waste stream, inappropriate packaging and plastics, the challenge is to really go back to the manufacturing sector, the ones who were producing these materials in the first place, challenge them to please go back to the drawing board and develop, give us materials that can be recycled, reused, or composted. Otherwise, don't manufacture them at all. This is the message to industry. was campaigning on waste issues, we were trying to plug and stop all these proposals to either create more landfills to bury the waste or destroy, burn them in incinerators. And it was the intense campaigning we did on this issue that has in fact led to the passage of the Clean Air Act, and immediately following that, the approval of the Ecological Waste Management Act. Most of the sectors who campaigned against the ban on incineration were really coming from European countries. You know, the European Chamber of Commerce and Industry was campaigning against our ban on incineration. Not only the American Chamber of Commerce and Industry, also Asian Development Bank at one point. So we had this powerful interest converging against the campaign that we were running. And I think because at the very root of it, what was being questioned was the over-consuming lifestyle of the West, a lifestyle that they want to replicate in other parts of the world. I think the question is, how can we leapfrog, how can we go over, jump over those mistakes, not repeat those mistakes, especially in this era of climate change, you know, when we are already witnessing escalating impacts of climate change. Can we then go on sleepwalking and continuing business as usual? Am I optimistic? Yes, I have to be optimistic. I've seen the solutions work for communities. I've seen the solutions work for local governments. And clearly this is the way forward. We need to keep challenging our leaders to help move us away from dirty development, move us away from fossil fuels, onto solar energy, onto zero waste. And this is a constant challenge that I have to remain optimistic about. If we don't succeed, then the consequences are just unthinkable. Nous quittons les Philippines secouées, avec dans la tête une question qui tourne en boucle. Quelles traces laissons-nous dans le monde ? Au moment du départ, une petite voix résonne comme un écho, celle d'Anne, une toute jeune collaboratrice de Von Hernandez. Remember that people in poor countries are just the same as people in rich countries. You know, we're not any less. We're not any less important than you are. Notre nouvelle étape est une île minuscule entre l'Asie et l'Océanie, le Timor-Oriental. Parce qu'il s'est battu pour la liberté de son pays, l'actuel Premier ministre, Chananagush Mao, est une légende vivante. Il est originaire de Lailea, un petit village du nord du pays. Sur la place centrale de ce petit village, il y a une étrange statue. 8 crânes supportent une stèle qui représente l'île du Timor. La sculpture rappelle le génocide de 200 000 Timorais et la lutte d'un quart de siècle pour obtenir l'indépendance. Ancienne colonie portugaise, le Timor-Oriental a été envahi par l'Indonésie en 1977. Une dictature qui a duré 25 ans. Le bilan, réquisition de terres, déplacement de population, stérilisation forcée des femmes. 200 000 victimes sur près d'1 million d'habitants, un quasi-génocide perpétré dans l'indifférence volontaire de la communauté internationale. Son indépendance, le Timor l'a conquis de haute lutte, devenant en 2002 la dernière démocratie inscrite aux Nations Unies. nous arrivons dans un pays neuf et pauvre qui se bâtit peu à peu. Demetrio Di Carvalho fait partie des pères fondateurs du Timor. Il a obtenu le prix Goldman en 2004 pour son rôle dans la création de cette jeune nation. La fondation Habouras qui nous accueille a été créée par Demetrio en 1998. Elle intervient partout dans le pays pour tout ce qui a trait à l'environnement. En Tetoum, Habouras veut dire régénérer. Demetrio nous emmène à 120 km de la capitale, le long de la côte nord de l'île, dans la région de Bacao. Habouras y a longuement préparé son implantation, avec succès. Aujourd'hui, la majorité des différentes communautés bénéficient de l'assistance de la Fondation. Ici à Kairavela, dans ce hameau perdu au milieu des arbres, le dénuement, la pénombre, les années de guérilla dans la jungle ne sont pas loin. Avec l'un de ses anciens compagnons, Demetrio évoque le souvenir de la lutte. Yes, my experience is as a boy, as a children in the jungle. I was 9 years old when Indonesia invaded, and I were in other regions called Likisa areas, and I was involved in what we call Serviço de Arma Branca, taking care what we call the connection between frontline, the combatant, volunteer, and the commissariat politic. The instructions between commissariat to volunteers needed a mediate, so we play the roles as intermediate, bring letters, bring to communicate, help the communications. But during that time, for me, is we have to survive by scratch things that we can find in the nature. I think that's the best lesson for me, that the struggles we will have no value, we will not have power if our natures not support us. So the highest of mountains, the peak of the rivers, all power of the natures is as our alliance against Indonesians' occupations. And we know how to cross a river, we know how to climb a mountain very easily. It was difficult for Indonesia military, and that's for us is the resources we use, not only the guns but our nature's resources as our alliance to against Indonesia. Sofrimento ka sacrificio serme be ita hotu forne se kaita idea fona dene del respeto del hotu simple e con laran atunune sai storia botira ba futuro geração tenia dene maka con sirabele estuda ba abang bairua sirabele hadomi rai dene. Jacinto, l'ancien guerriero devenu pêcheur, nous emmène voir un projet d'irrigation coordonné par Habouras avec la communauté dont il est le chef. This is the community of Waikua. Before Habouras came in, they canalized the water using stones and other organic materials, and every year the waters come in very strong and destroy, and they have to rebuild. Sometimes for one single production, they have to work many, many times for this maintenance, and the water is too small. Only few paddy fields can access to the waters. Today, they already distributed this water for more than 40 hectares of paddy fields. You can see the forest around, the cover vegetation around. It's also a part of our work, our campaign to the community, not to destroy the system, the catchment system. This is a part of the management of the resources. Direction l'ouest du Timor. Depuis longtemps, Demetrio a compris qu'un pays repose sur ses croyances spirituelles et ses traditions coutumières. Parallèlement aux lois juridiques, Habouras tente donc de revaloriser les lois anciennes mises à mal par l'envahisseur indonésien. Au Timor, ce système coutumier s'appelle Tarabandu. Il existait avant même le temps des Portugais. Nous arrivons dans la communauté d'Oulmira. L'événement auquel nous allons assister est unique. Tous les 2 ans, une cérémonie a lieu pour revitaliser le Tarabandu et le transmettre aux jeunes générations. Le Tarabandu permet de réguler plusieurs niveaux de relations entre les hommes et la nature concernant ce que l'on peut exploiter, cueillir, consommer. Le Tarabandu liste les règles à respecter et pour chacune d'entre elles détermine des fautes et des sanctions. C'est cet ensemble qui est lu à la communauté au terme de la cérémonie. Une cigarette bonbon, une cigarette au sucre. And the tobacco he smoked, the rolled tobacco. This is tobacco from here, from East Timor. East Timor, tobacco lulun. Good, very good. Yeah, very strong. Oh. Nee, tu East Timor. Tarabandu, oh. Tarabandu, Tarabandu, smoking, smoking, drink. From this building, we start 2002 in writing some of the articles related to environmental. We presented to National Assembly, and those specific articles we wrote, we found that some of the articles was adopted in our national constitutions. As we can see on Article 61, it's about the right of environmental. This is a victory not only for Habouras but for East Timor people, because in several countries I didn't find any article related to environmental on their constitutions. In East Timor, we have that specific article on our constitutions. That's, I think, giving us the track how we have to manage this country related to environmental. Você pede septado Adriano Nascimento. Você pede septado Fernando Dias Guzmão. All of North countries already in a level of development, and right now majority of the nations on the south just beginning develop themselves, and there are many requirements to fulfill in terms of sustainability, in terms of best management on environmental. But in the same time, those big companies come from north, operated in this those south country. So we needed to revise global policy on economic development and environmental management, and that's really depend on the willing from the North countries' decisions. Le jour se lève sur Dili, la capitale. Nous attendons Demetrio qui, pour notre dernière journée, nous a donné rendez-vous à l'aube. Demetrio nous emmène au cimetière San Lorenzo, un lieu emblématique pour le peuple timorais. En 1998, 200 étudiants qui manifestaient contre la dictature y ont été massacrés. Au moment de notre arrivée, le soleil s'apprête à apparaître. Je me souviens alors qu'en Tetoum, Timor-Oriental signifie « là où le soleil se lève ». Grave of my fathers. My father is also killed in the war. He was killed with another 14 peoples. I believe he right now physically not with us, but his spirits as a struggle man stay with me. Lancinant, le Chhatrapati Express nous emmène à Bhopal, capitale de l'état du Madhya Pradesh. Bhopal, au nom de pierres précieuses, que le malheur a inscrit dans la mémoire du monde il y a 25 ans, à cause de la plus grave catastrophe chimique que l'humanité ait jamais connue. En 1980, Union Carbide, une multinationale américaine, ouvre une usine de pesticides à Bhopal, mais la sécheresse sévit et les ventes sont mauvaises. Le personnel qualifié est progressivement licencié et les règles de sécurité abandonnées. Une nuit de décembre 1984, l'inévitable se produit. Une cuve laisse échapper un gaz mortel. 8000 morts en une nuit, 30 000 en une semaine. Près de 500 000 victimes en 25 ans. Les vies de Rachida et de Champa Devi ont été détruites cette nuit-là. Elles ont perdu leur famille, leur santé. Depuis, ces deux femmes d'origine très modeste sont devenues les égéries d'un combat pour les droits des victimes. हम लोग सब खाना वाना खा के सो गए थे तो हमने कहा उनसे सो जाओ लेकिन उसके बाद 1 बजे एक लड़का आया हमारी कम्युनिटी में रहता था वो आया बोला जल्दी यहाँ से चलो यूनियन कार्बाइड की गैस लीक हो गई है और जल्दी नहीं निकलेंगे तो सारे लोग मारे जाएंगे लेकिन घर से निकलने के 10 कदम चलने के बाद ही आँखों में पानी आने लगा खांसी चलने लगी मुँह से सबके लार बहने लगी और सीने में इतनी जलन पड़ने लगी कि बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो आँख खोलते थे तो लोगों का लेटरिन बाथरूम आपसे आप निकल रहा है मुंह से पानी आ रहा है पड़े हैं और पब्लिक एक दूसरे कुचलती हुई जा रही है जैसे कोई जानवर मरे पड़े हैं उसके पास लोग भाग रहे हैं तो हमने देखा बाहर निकल के कि लोग बस स्टैंड की तरफ भागते हुए जा रहे हैं हम लोग भी बस स्टैंड की तरफ निकल गए जब बस स्टैंड पर पहुँचे तो वहाँ पर बच्चों का बहुत बुरा हाल हो गया था आँखों में इतनी हिम्मत नहीं थी ना सांस में ताकत थी कि हम वहाँ से चल के आ सकते थे जब हम हमीदिया हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ देखा हमने कि जो लोग मर गए हैं उनके एक के ऊपर ऐसे जैसे गेहूं के बोरों की छल्लियाँ लगाते हैं इस तरह से गेहूं के बोरों की छल्लियों की तरह उन डेड बॉडियों को डाल के रखा है और कोई डॉक्टर किसी मरीज को देखने के लिए वो नहीं था सब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इनको क्या करें जलाने के लिए ऐसी थप्पियाँ लगा लकड़ी दे रहे थे लाल कपड़ा दे रहे थे जिसको जो चाहिए लो और जलाओ और तो उस हालत में हमने लोग हमारे घर वालों को ढूंढा उसके बाद बड़े बेटे के हमारे बहुत तकलीफ होने लगी बड़े उसके सीने में दर्द होने लगा कभी कभी खांसी आती थी तो एकदम ब्लड आता था उसके मुंह से तो उसको जब हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसका एक्सरे वगैरह किया तो उसको बताया कि उसके लंग्स के अंदर छेद हो गए हैं गैस की वजह से फिर 2-3-4 साल तक वो इसी तरह रहा और दवाइयाँ वगैरह देते रहे फिर उसने सल्फास खा के सुसाइड कर लिया पूरी कम्युनिटी के लोग हमारे परेशान हैं एक तो गैस की वजह से था दूसरा ये है जो जिस दिन यहाँ से कार्बाइड गई उस दिन उन्होंने जो अपना जहरीला कचरा था वो ज़मीन के अंदर डाल दिया है उससे जो पानी प्रदूषित हुआ है तो आज पूरी 18 बस्तियों का पानी जहरीला हो गया है दूसरी पीढ़ी के बच्चों में विकलांगता आना चालू हो गई पूरी कम्युनिटी के लोगों को जब देखते हैं तो गुस्सा आता है कि इनका कसूर क्या था इन्होंने कौन सा गुनाह किया था कि इनको कंपनी वालों ने इतनी लापरवाही की वजह से आज इनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं कि इन लोगों कम से कम इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और वही लड़ाई आज तक नहीं लड़ रही सांस फूल रही है Avec d'autres, Champa Devi et Rachida se sont d'abord battues pour recevoir des médicaments. Puis elles ont réclamé des réparations financières à Union Carbide. En l'absence de réaction de la part du gouvernement indien, elles se sont lancées dans des grèves de la faim, des marches de 800 km jusqu'à Delhi pour attirer l'attention sur les souffrances des Bhopali. En 2004, au bout de 20 ans de combat, 20 ans après la tragédie du gaz, elles ont reçu le prix Goldman. Depuis, elles ont créé une petite fondation où sont soignées les jeunes générations, victimes du gaz. C'est là que Sébastien va à leur rencontre. Actually, the Chingari Trust has started, and then Champa Devi and Rachida, we got the Goldman Prize. Yes. So when they didn't know what to do with the money. They are still poor. They remain poor. They gave the whole amount to form a trust in which they can serve the children, second generation children, who are suffering because of the gas leak which had happened in 1984. Yeah. So the children being born with all the deformities, they want to serve them. आप लोग ये नहीं समझिए कि आपकी फोटो लेके कुछ वो करने वाला है, ये अपनी कहानी बनाने वाला है, तो ये वो अपनी कहानी बनाएंगे लोग कि आज Notre première rencontre avec le quotidien de la fondation Chingari Trust se fait ainsi, accroupie, près de ses mères, de ses enfants, les nouvelles victimes de la tragédie de Bhopal. Dans le petit salon attenant la salle de soins, l'ensemble de l'équipe de Chingari s'est réunie pour nous accueillir. Would you just tell us again who are from what religion? आपका नाम बताना है और आपका धर्म बताना है। Well, I am Tarun Thomas. I am a Christian and working for Chingari. I am Champa Devi Shukla and I am Hindu. Rashida भी है Muslim. Hi, my name is Noshin Khan and I am Muslim. And I am Usha Tilwani. I am Sindhi. I am working in Chingari. So. To 2006 September. Okay. Okay, thank you. You can speak Hindi. Yeah. Rani Yadav and Chingari. Hindu. Mohammed Israel Khan. My religion, Islam, and I am Muslim. We didn't go appointing people or calling people of other religion. It's by God's grace. Everybody has come here with different religion and we got together to be one unit. दिली खुशी महसूस होती है उससे कि हम ऐसे लोगों के लिए मतलब काम कर रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है. Their parents they don't want to show their child so that we may take photograph and show it to public. And what happens is their next other children, like if they have a daughter, she may not get married because they have a disabled child at their house. The parents, they think it's a curse what has come in their house. So, 1990 में यहाँ पे जो एरिया में लोग रहते हैं उनको अंदर एक नई नई बीमारियाँ आने लगी थी. यहाँ पे क्या था कि बच्चों जो औरतें थीं उन्हें ज़्यादातर कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर होने लगा और जो बच्चे पैदा हो रहे थे उन उस तरफ ज़्यादा विकलांगता आ रही थी और बच्चों की हाइट कम हो गई। लोगों ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इस एरिया में, तो यहाँ पे जांच कराई गई पानी की, मिट्टी की, और एक हैंडपम्प था उसमें से एकदम काला पानी निकला और इतना बदबू वाला वो पानी, और वहाँ के लोग वो पानी पीते थे। तो लोगों ने देखा कि ये पानी में क्या खराबी, तो चेक कराया उसको, तो उसमें पता चला कि यूनियन कार्बाइड के जो केमिकल जहरीले हैं वो सब पानी में मिल गए। तो फिर उसकी लड़ाई हम लोगों ने शुरू की कि ये पानी यहाँ से साफ़ होना चाहिए और ये यहाँ पे एक लाइन बिछे और यहाँ साफ पानी दिया जाए। तो उस 90 से लड़ते लड़ते 2003 में सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने 9 रिपोर्टें आई, सरकारी रिपोर्टें भी हैं और प्राइवेट रिपोर्टें भी हैं, सभी ये कहती हैं ये पानी हाथ धोने के लायक भी नहीं, लेकिन लोग वहाँ पानी पी रहे हैं और सरकार को पूरी तरह से पता है और आज तक वहाँ पर साफ पानी का इंतजाम नहीं कर। फिर उसके बाद 2006 में हम लोग जब पदयात्रा करके भोपाल से दिल्ली पहुँचे, यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा लोग मौत और ज़िंदगी से खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं पानी में और पानी की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम 14 करोड़ रुपए पानी के लिए दे रहे हैं। 2008 में दोबारा पदयात्रा की और प्रधानमंत्री अपना वादा निभाएँ, कम से कम यहाँ पर साफ पानी पहुँचाएँ। अभी तक पानी नहीं दे पाई है, अभी सिर्फ लाइनें बिछाने का ही काम चल रहा है। Sur le mur d'enceinte de l'usine, l'histoire de la tragédie se raconte toujours 25 ans après. Pour entrer sur le site d'Union Carbide, il faut une autorisation que nous venons tout juste d'obtenir. Nos gorges sont sèches. Ce n'est pas rien de pénétrer dans un lieu responsable de 500 000 victimes. Au bout de 30 minutes, au milieu des fourrés, nous découvrons la fameuse cuve 610, celle qui contenait 40 tonnes de liquide toxique, l'isocyanate de méthyle. Le liquide se transformant en gaz a entraîné une hausse de pression qui a fait jaillir la cuve de son sarcophage de béton. La chute a entraîné la fuite. Cette masse qui repose paisiblement dans son linceul de verdure, c'est le tueur de Bhopal. This is the first time I come here. I know, because I'm a little scared. We don't know, though it has a big name, but I don't know what some chemical may be inside. So we are all scared to come in, and even it's restricted here. So that's how people get more scared to come in. And now that you're in, what do you feel? Probably I remember those days. When the tragedy has actually happened, how would it have happened? What was whose mistake it was? I don't know whether, whom to blame, or blame to God, who has allowed this tragedy to happen, or it's a negligence of human being who couldn't handle it properly. We don't know what has happened actually. So I feel sorry about it. Whatever has happened. Now let's see what we can do for those people who are suffering. That's it. Au moment de quitter l'usine, à quelques mètres du portail, un autre bâtiment, cette fois ouvert aux quatre vents. À l'intérieur, des fioles, des flacons intacts, certains brisés sur le sol, que personne n'a pris la peine d'évacuer en 25 ans. Même abandonnée, l'usine de pesticides continue d'empoisonner la vie de Bhopal. La tragédie du gaz est loin d'être résolue. Les victimes de Bhopal tentent d'obtenir un procès digne de ce nom qui n'a pas eu lieu. Warren Anderson, l'ancien président d'Union Carbide, n'a jamais été extradé. La compagnie s'est contentée de verser 470 millions $, à peine 500 $ par victime. Aujourd'hui, Union Carbide n'existe plus. L'entreprise ainsi que l'usine ont été rachetées par le groupe Dow Chemical, qui refuse obstinément d'assumer le passif d'Union Carbide. Mais le plus grave est la responsabilité des gouvernements indiens successifs qui ralentissent les démarches judiciaires de peur de nuire à l'implantation de multinationales étrangères. L'usine existe toujours. Le sol est contaminé, l'eau est empoisonnée. Quelques Bhopalis, comme ceux de Chingari Trust, luttent encore avec l'énergie du désespoir pour améliorer les conditions de vie des victimes et leur offrir un avenir meilleur. बहुत बड़ी भोपाल के लिए मदद है कि उन्होंने अवार्ड देकर दुनिया को बताया कि भोपाल है कहीं और भोपाल की लड़ाई जारी है और भोपाल में जो हुआ है उससे सब कुछ बर्बाद हुआ है पर्यावरण में मिट्टी पानी हवा जो भी कुछ जंगल जमीन थी सब कुछ बर्बाद हो चुका है क्योंकि उस रात ने बताया था कि पेड़ पूरे काले हो गए थे मछलियाँ पूरी तालाब में ख़त्म हो गई थी चादर की तरह बिछ गई थी इंसानों की लाशों के ढेर लगे थे जानवर सब खत्म हो गए थे तो इससे सब कुछ बर्बाद हुआ है तो इस अवार्ड से भी उनका जो उन्होंने ये कदम उठाया कि एक अवार्ड दें पर्यावरण को बचाने का ये बहुत अच्छा कदम है उनका तो कभी हम अकेले नहीं हैं दुनिया साथ है फिंगर मारा नहीं मिला इतना छोटा नहीं है ना जी मतलब प्रॉब्लम बस वही हो रही है एक्चुअली क्या होता है फिर इसके लिए पूरा स्प्लिन बना देते हैं भला अगर आप देखें और हॉस्पिटल में तो पूरा स्प्लिन बनवा देते हैं वो अपने को बनवाना नहीं है तो मतलब सिंगल सिंगल चाहिए दवाई बॉल क्वालिटी आप दवाइए धीरे धीरे मजा आया Very good. एक्सरसाइज करा दे चल के एक्सरसाइज करा दे कुछ को तो खींचना आकुश मुश्किल है लेकिन उसके साथ साथ खुशियाँ देने का कोशिश हम लोग भी करते हैं कि उन बच्चों को इतना ज़्यादा इस पे इफेक्ट ना आए पढ़ने जाए पढ़ें लिखें आगे दुनिया में बढ़ें और साथ साथ जिसको उन्होंने भोगा है उसको रोकने के लिए वो लोग कोशिश करें Ce sont nos derniers instants à Chingari Trust. Sébastien et moi les passons avec ces hommes, ces femmes et ces enfants qui nous ont acceptés. Comme à chaque rencontre, dans chaque pays, Sébastien fixe l'image de ceux qui, l'espace de quelques jours, lui ont ouvert la porte de leur vie. Est-ce parce qu'il s'agit de la dernière étape de ce tour du monde? Sébastien ne parvient pas à interrompre ce rituel de photos, cherchant de nouveaux décors, de nouveaux angles. La séance se prolonge, comme une façon pour lui de garder un contrôle illusoire sur ce temps qui le réclame, de le suspendre au déclencheur de son appareil. Une façon de fixer ses visages, ses sourires, les remercier, leur dire sans mots son affection. Varanasi, c'est la ville sacrée dans laquelle les hindous peuvent se libérer du cycle des réincarnations. Mourir à Varanasi, c'est permettre à son âme de s'échapper. Et j'avais vraiment envie, moi, de terminer à Varanasi ce voyage, mais que ça ne soit pas juste une fin, que ça soit le début d'autre chose. Je prends conscience que c'est vraiment la fin, que j'arrive à la fin, que dans moins d'une semaine, je suis à Nantes, je suis dans ma famille et ça sera terminé. Ça sera terminé cette année. Et ça me fait bizarre en même temps. Je suis heureux de retrouver les miens, vraiment heureux, sachant qu'il y en aura plus qu'au départ. Mais en même temps c'est dur de faire le deuil finalement de ce que j'ai vécu cette année. C'est pas facile de se dire que c'est fini. Je rentre. Avec quoi? Qu'ai-je appris? Qu'ai-je à transmettre? Faire le tour de la Terre, ça paraît énorme et ce n'est rien. Cette aventure m'apprend que notre planète est minuscule. Une enjambée d'un an et on en fait le tour. Un monde si fragile et nous sommes si nombreux à nous le partager. De nos voix, nos humeurs, de nos détresses et de nos joies. Mais aussi ce confort que l'on ne veut pas perdre. Notre désir de consommation et notre indifférence. Tout cela nous engage à chaque instant envers les autres, envers ceux que j'aime. Ce que j'ignore ou dont je me fous, envers l'ensemble de la planète. C'est sans limite un homme. Je me souviens de Von Hernandez aux Philippines, qui me disait en me quittant « Ceux qui écrivent l'histoire de demain ne sont pas connus aujourd'hui. Le siècle qui vient sera peut-être celui des hommes ordinaires. » Eugène, Demetrio, Von, Andrès Tamayo, Champa Devi, Rachida, 6 Goldman que vous avez découverts dans ce film. Au cours de ce tour du monde, Sébastien a rencontré 27 d'entre eux. Depuis 1990, ils sont 140 à avoir reçu le prix Goldman, 140, qui se battent partout sur la planète pour notre avenir commun. Et tous les autres, ceux qui n'ont pas reçu ce prix, ceux dont on ne parle pas, mais qui sont eux aussi des résistants pour la Terre. Et vous, peut-être. hang like prayer flags on the line. The rain on the asphalt has me cut loose and flying. The lines are all blurred now between laughter and grief. The days stand like gods and the nights move like thieves. A muddy river and she has burst her banks. I'm caught in the current, I just bob along and give thanks. The weeping willow bends down